C'est parti. Je vous ai bien eu avec mon autre dimension, Piaginator. Mes robots normes vont arriver pour vous redétruire. Pas de Non. soucis, c'est bien. Vous n'avez aucune chance de survivre. Prenez votre temps. Ce n'est pas très alléchant. Utilisons ces arroseurs pour les combattre. Installons tous ces arroseurs. Ils arrivent. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le mode lourd de charge. Lourd de Il charge. permet aux rayons antigravité de soulever de plus grands ennemis. D'accord. Je ne dirai pas non à une citronnade. Je n'aimerais pas être... Prêt, Ferb? Pipou 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 pipou. Parfait. Je crois que c'est le dernier. Je crois aussi. Là, j'en fais. La janté. Pourquoi court-il sans cesse? Je n'aimerais pas être dans ses chaussures, ni dans ses propulseurs. C'est tout bon. Ok, on peut avancer. Eureka. Eureka, il a dit. Tac. C'est bizarre. L'énergie dont vous avez besoin dans cette dimension se trouve 100 mètres au-dessus de vous. Pas de problème, Baljit. On peut s'en occuper. Les ballons ne sont sûrement pas le matériel de construction idéal. Ah bah non, c'est fini. Oui? Parfait. On va prendre qui? Oh, vous savez quoi, on va prendre Phineas et Ferb. Bien! Oh non. Bien! Donc on va jouer avec Ferb. Bien! Ok. Ok. Bon, on peut améliorer nos armes. À chaque visite de l'atelier, tout ton matériel électronique se transformera en puce améliorée. On a toujours rien à améliorer.
Veille à utiliser tous tes gadgets pour les faire évoluer. Bienvenue au pays des ballons. Les autres habitants ne sont pas tous aussi amicaux. Si, dans cette dimension, nous sommes d'excellents amis. Je ne pense pas avoir ces critères dans une autre dimension. Oh oui, je suis ici. Tu sais, tu n'es plus le même dans cette dimension. Bon. Aïe. Je suis tombé. Je veux dire, saute! Chaque dimension doit-elle contenir une chose qui essaie de nous dévorer? Ouais. Ces porcs épiques n'ont pas l'air très amical. Allez-y, les garçons. Moi, je vais rester ici et... je sais pas, m'exercer à faire des ballons en forme d'animaux. Attention à ces plateformes, elles rebondissent plus que les autres. Nouvel ennemi à l'horizon. D'ailleurs, la vraie question que je me pose, car on part rien à voir avec le jeu, c'est un UPS3. Vous pensez que c'est considéré comme un jeu rétro maintenant ou pas? Wow, super rebondissant. Toujours des opilins. Je sais pas honnêtement. Je pense que ça dépend des goûts de chacun. Pour certains, oui, ce sera du rétro, pour d'autres, non. Pour moi... un véritable objet de collection. Pour moi, non, ça fait... bon. Oui, non, en fait. Mince, pour moi, ça fait partie des vieux jeux. Enfin, des vieux jeux, des jeux un peu plus anciens. Mais à de là à dire que c'est du rétro, je sais pas. Toujours des opilins. Je sais pas. Après, ça c'est une interprétation qui... ça fait mal, mais c'est logique. Allez, va-t'en. C'est une interprétation de chacun. Le fait qu'il y en a qui considèrent carrément que les gens en noir et blanc... enfin, les gens en noir et blanc, non, les gens... 8, 7, 8... c'est du rétro. Donc noir et blanc, 7, 8, 8, c'est du rétro. Et les jeux HD, entre guillemets, c'est du classique. Qui est pas forcément mauvais argument. Il ne devrait pas pouvoir creuser dans un ballon. Bien vu. Qui n'est pas forcément un mauvais argument, mais bon. En soi, enfin, ce qu'on appelle la HD, la HD en face du... c'est pas du 16 bits, mais enfin... c'est juste qu'on a arrêté de l'appeler en 8 bits ou 16 bits, mais sinon c'est la même chose. Restez en place le plus longtemps possible. Okay. Ces ballons finiront bien par revenir. Quel moyen pour aller taper? Bon enfoiré. Petit enfoiré. Petit enfoiré. Eureka.
Eureka. Ça, c'est du dialogue de fou, ça. Un doubleur qui était payé pour Eureka. Attention, heureusement que le doubleur a été payé. Je dis pas le contraire. Juste qu'il a été juste payé pour la phrase Eureka. Enfin, dans ce dialogue-là. Je m'enfonce? D'accord. On va se rappeler. Ah non, je vais dire que ça aura pas duré longtemps, mais c'est... Il y en a encore. De reprendre ton vol. Prépare-toi. Je suis prêt. Ah, ok. Ok, prêt, comme ça, je veux dire. Bah... Ok. Mince. Continue. On prend qui Ouais, allez. Bien. Oula. C'est amusant. Ok, de la phrase en vaisseau. Donc ouais, donc on est dans l'équivalent du monde 2 en fait. Et il y a 6 mondes. Tac. Évite-le avec ton esquive aérienne. Ok. Que tu sois prêt ou pas, me voilà. Ça vient. On t'attend. Je t'attends. Qui veut jouer? A détruit les intrus. Ok. Là, je suis fini à te forcer bien vrai. J'ai oublié de le lire. J'ai réussi à changer de perso. Tac. Vraiment? Mais quoi? Mais je suis dedans!
Ennemi jetpack. Ok. Mais le box est un peu buggé. Il en arrive d'autres. Voilà du nouveau. C'était easy. C'était super facile. Parfait. Parfait, parfait, parfait. C'est parti. Là, on a toujours rien. On peut faire évoluer nos gadgets ici. Ouais, mais si on peut. Non, donc on peut pas. Qu'est-ce que ce robonorme manigance? Oh. Cours! Des abeilles! Si j'étais une abeille, je serais aussi en colère. Ouais, mais tu n'es pas une abeille, alors on t'en fiche! Courir! Toujours! Plus vite! Ne jamais s'arrêter de courir! Vraiment? Ce saut-là n'est pas passé? Ok. Ok, c'est à mon avis, on pourra faire du wall jump. Comment va-t-on grimper à cette cheminée? Eh, vous avez besoin d'équipement d'escalade? Puis-je recommander un gadget fourni par la Résistance, le gant ninja escaladeur de mur? On peut aussi apporter quelques améliorations. Quelle bonne idée, Isabella! Vraiment? Merci, Phineas. Mais pourquoi je rougis? On devrait se séparer. Je sais pas, peut-être parce que tu le kiffes. Peut-être parce que tu le kiffes et que t'as jamais voulu le dire. Ok, donc on peut jouer deux persos. Exactement ce qu'il nous faut. Ah ok. Pardon. Tu veux bien emprunter du sucre? Ok, on a la construction qu'on peut faire. Parfait. Boum. Ok, on va faire la construction. C'est parti. Avec ton gant ninja, tu peux t'accrocher à certains murs. Essaie sur cette grande cheminée. Saute sur le mur suivant. Bon travail. Tu dois pouvoir arriver au sommet. Par contre, avec les gants ninja, on ne peut pas taper. Boum. Quelqu'un a envie d'un câlin? Non. Alors... Mais non, pas là. Là.
là-bas. Péri. On ne peut pas rester trop longtemps sur ces ballons. La perspective est bizarre à voir. Ah ok. On a trouvé le mode dispersion. Il donne plus de puissance au tir du rayon antigravité. Oups. Saute entre deux ballons pour gagner de la hauteur. Parfait. Cool. Enfin niveau 3. Enfin niveau 3 le lance-baseball. Je sais pas pourquoi ils sont... Voilà. Que si j'ai détruit... Que si j'ai tué pour faire un mutier, ils vont me détruire les ballons. Cage. Tac. OK. Ici. Comment elle beaucoup. Ça, vous avez beau être beaucoup, vous restez nul quoi. Tac. On arrive. Tac, parfait.
Et c'est une fin de niveau. Parfait. Attendez, pourquoi je suis le seul à être en noir et blanc ?